Il s'élevait ici à Louxor, la grande ville de Thèbes, qui fut capitale de l'Empire égyptien pendant des siècles. Le temple de Louxor, érigé sous Amenophis III, puis terminé sous le règne de Ramsès II, est situé au centre de la ville. Il est célèbre par ses alignements de sphinx qui reliaient les deux plus grands temples dédiés à Amon, Louxor et Karnak. À l'entrée principale du temple, le pylône flanqué de deux statues colossales du pharaon. Devant l'entrée, l'obélisque paraît bien seul du haut de ses 25 mètres. Son jumeau a été offert à la France et trône sur la place de la Concorde à Paris. Le temple de Louxor fut édifié pour glorifier le dieu solaire Amon, roi des dieux et de la fécondité. L'entrée de la cour de Ramsès II fut décorée par les rois nubiens et éthiopiens de la 25e dynastie. Elle est entourée par une double rangée de colonnes en forme de papyrus qui formaient autrefois une arcade couverte. Devant le deuxième pylône, deux statues de Ramsès II. La partie centrale du temple commence par l'impressionnante colonnade d'Anémophis III. Après le deuxième pylône, nous pénétrons dans la cour d'Anémophis III avec sa double rangée d'élégantes colonnes. Les colosses de même nom, d'une hauteur de 19,50 m, sont deux statues d'Anémophis III qui se désagrègent lentement. À l'apogée de leur splendeur, ces statues, comme le sphinx, étaient parées de couleurs vives et recouvertes d'une couche d'or fin. Ces colosses étaient la glorieuse effigie d'un grand roi. Sur la rive droite du Nil, le temple de Karnak, dédié à Amon-Re, également le dieu protecteur de Thèbes. Le temple est relié à celui de Louxor par un autre alignement de sphinx, mais ici les lions ont des têtes de bélier. En effet, Amon-Re était représenté par un homme à tête de bélier. Les temples égyptiens étaient construits selon des plans spécifiques. Devant le temple se dressait le premier pylône, un immense mur. Au-delà du pylône se trouvait la cour, ouverte à tous, où les fidèles déposaient leur offrande à Dieu. Derrière le deuxième pylône, la salle hypostyle d'une superficie de 5500 m². Il s'agissait probablement d'un chemin de procession orné de 12 colonnes aux chapiteaux en forme de papyrus ouvert, d'une hauteur de 23 mètres et au sommet presque 15 mètres de circonférence. Les murs et les colonnes sont décorés de très fins bas-reliefs, montrant des scènes d'offrandes et de cultes, ainsi que des fresques et hiéroglyphes comptant les exploits du pharaon.